Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, notre invité, vous l'écoutez tous les jours, très régulièrement sur les grosses têtes sur RTL. Pierre Bénichoux est avec nous. Comment ça va, Pierre Bénichoux ? Ça va très bien, j'espère qu'il en est le même pour vous. Ouais. Que vous mesurez cet honneur extraordinaire. Mais c'est vrai. Et que c'est idiot de parler d'économie, il n'y a pas de petites économies. Pour commencer, on va écouter une audio clin d'œil, un souvenir de votre carrière, Pierre Bénichoux. Et si Romain va poser une question à notre équipe, on va faire un petit tour de table. Et d'ailleurs, à eux seuls de deviner, parce que peut-être que vous connaissez la réponse. Romain, c'est à toi. Il y a des expressions que Monsieur Bénichoux a découvert, des expressions qu'il ne connaît pas. À votre avis, quelle expression ne connaît pas ? Est-ce que c'est l'expression VOD ? Est-ce que c'est l'expression blockbusters ? Ou alors, est-ce que c'est, pas une expression, mais une famille, la famille Kardashian, à votre avis, qu'est-ce que Monsieur Bénichoux ne connaît pas ? Alors, Lou, c'est blockbuster. Ouais, qu'est-ce que vous diriez ? Kardashian, les Vincent, trois. Les trois. Non, c'est un homme à femme, il connaît les Kardashians, moi je connais blockbuster. Ouais. Elles sont belles, elles. La mère et les trois filles. La réponse. On va écouter la réponse. On voit que ça vous embête, mais alors pas du tout quand vous comprenez pas quelque chose. Non, non, moi je connaissais aucun des trois. Je connaissais aucun des trois, le VOD. Je savais pas ce que c'était. La famille Kardashian, je trouve que c'est un nom. En France, comment vous appelez Kardashian? Ah bon, c'est vrai, ouais. Allez, on écoute tout de suite la réponse. Elle a tourné dans plusieurs films réussis. C'est un blockbuster ou un film de... Elle a tourné dans quelques blockbusters. Blockbuster. Dans quel blockbuster, il dit ? Et l'autre, là, il est jeune, lui. Et l'autre qui veut faire jeune, il dit « Ah, du blockbuster !» Bah oui, c'est ce que nous, c'est, moi. Et nous, on comprend rien, comme on a peur d'eux, on fait... Pierre, un blockbuster, c'est Mission Impossible. Un blockbuster ! The Avengers. Ta gueule quand tu me parles, là. Quand vous comprenez pas, mais alors ça vous embête, mais pas du tout, hein, c'est génial. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous souhaitiez être comédien. Anecdote suffit, oui. Vous souhaitiez être comédien pour plaire aux filles, hein, mais c'est votre ami Claude Brasseur qui vous déconseille de faire ce métier, car c'est très fatigant. Et à cette époque, d'ailleurs, l'acteur est assistant d'un photographe de Paris Match et il vous pousse à devenir journaliste. Vous suivez ses conseils, puisqu'à l'âge de 19 ans, vous faites votre premier stage au quotidien François. Vous vous souvenez de vos toutes premières missions de journaliste ? Oui, c'était pas à François, je dis François pour faire chic. C'était à France Dimanche. France Dimanche. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On m'avait envoyé faire un reportage sur Marie-Joana. Ouais. Sur Marie-Joana qui habitait je ne sais pas où. Et je cherchais Marie-Joana en banlieue. Voilà. À part ça, je fais des reportages normaux. Et vous avez aussi la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, Pierre Bénichoux. D'ailleurs, vous confiez que vous la portez pour discuter de votre loyer ou à l'hôpital. Les médecins, il n'y a que trois personnes qui pètent de peur devant le truc. Ce sont les flics, les médecins et les hommes d'argent. Ouais. Ou les très jeunes journalistes. Il faut dire qu'il l'a sur lui. Je l'ai mise aujourd'hui. D'accord. Et là, un peu de respect. Hein. Je l'avais pas vu. Je veux bien qu'on rigole, mais le truc en général, quand on me dit « Mais pourquoi vous dites ça ?» Je dis ben, « Parce que c'est à titre militaire. J'ai jamais fait de service militaire, mais ça me fait rien. Et si je parle de la Légion d'honneur, je suis commandeur de la Légion d'honneur. » Commandeur de la Légion d'honneur. Alors déjà, il faut faire chevalier, après il faut faire officier, après il faut faire commandeur. Ah oui, il y a c'est tout ce parcours. C'est pas ce que ça coûte. Pierre Bénichoux, un ami aussi a particulièrement marqué votre vie, c'est Coluche. Vous avez été très proche de l'artiste et d'ailleurs vous avez préfacé le livre Le pavé Coluche. Et on a vu dans On n'est pas couché en 2010, vous avez raconté que, pour une autre petite anecdote, que l'humoriste avait l'habitude d'offrir à ses amis des voitures américaines qu'il faisait rénover chez un garagiste. Il avait d'ailleurs carrément racheté le garage et mis deux employés pour le faire. Et un jour, votre voiture est en panne et vous lui demandez d'en prendre une, mais vous n'avez pas pu la garder. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bah, je sais pas, j'avais besoin, je devais amener ma mère à Giverny. Oui. Pour voir les trucs de monnaie. Parce que ma mère savait pas lire. Non, c'est pas vrai. Elle était jamais montée en auto. Non, pas du tout. Je devais l'amener, elle s'en faisait une fête pour voir les jardins de monnaie. Et
j'avais plus de voiture. Mmh. Et je dis à Coluche, l'avant-veille, je lui dis, t'as pas une bagnole là? Ouais, ouais, avec ta mère. Bah, il a qu'à prendre la Rolls, alors. Je dis, ouais, mais la Rolls, mais non, on s'en sert jamais. Et il me donne une Rolls marron glacé, absolument flambant neuf. Ouais. Superbe, enfin, elle avait 15 ans, mais neuf, enfin, beauté. Et je prends cette Rolls, et voilà. Et c'était un jeudi que je prends ça, et je ne l'ai rendu que le mardi. Mmh. Parce que la fin du week-end, je prends après Fèvre, lundi, là, mardi, je vais avoir. Et je suis arrivé, je l'ai rendu, il m'a dit, ils rendent les bagnoles.